un tri, il faut essayer d'en faire sur place. C'est pour ça que j'ai pris des verres. Donc j'ai pris ma canne au confiseur vert. Voilà, c'était mon bon premier depuis Savatier, le Vénis. On a pris des canaux couchants sur le vide pour faire des dérives. On va regarder la vidéo et puis on se dit à plus pour de belles images. J'espère qu'ils vont fiche les gars. Allez, on bouge plus à moi. Faire du vif, on a réussi à faire du chemin. Donc là on est parti sur le bief. Donc là où j'ai fait le chemin, il y a une sortie d'eau là-bas. Et là ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis au milieu. Là on a actuellement 2 mètres et là-bas il y a 50 cm à mètre. On s'est mis sur un bief où les sciures viennent chasser à la tombée de la nuit. Bon là c'est encore bonheur. Mais bon, avec le vent qu'il y a, on a dit allez, on va essayer, on va voir. Donc là, comme le même style de montage au cassin, donc un simple à la gueule et des doubles ghost hooks sur les côtés. À la queue et un sur le flanc. Là. Hop, un à la queue. Un sur le flanc. Là, il est armé pour aller pêcher. Hop. Donc là, j'arrive à profondeur. Une petite boucle et là le montage que j'ai fait, je remercie Jérôme pour sa petite astuce pour faire des montages au couchant rapide lorsqu'on est en, par exemple on fait une verticale, on est avec un fireball, et ben on choisit vite sa profondeur, on met un bouchon et on peut faire dériver des bouchons loin du bateau juste sans changer le montage, juste en faisant une boucle, un émerillon, le bouchon en statique, hop comme ça on le lâche et hop, essaye sa pêche, terminé. Ah ouais. Oh, j'ai failli tomber à l'eau. Ah mais il y a peut-être beau poisson là. Voilà, nickel. C'est petit ? Hein ? C'est gros ou pas ? C'est un peu trop bien gros mais... Non, c'est trop gros. Bon, toujours pas. C'est pas un gros poisson, c'est un poisson je pense d'1m20. Pris au bout de, je dirais 40 minutes de dérive. Bon les gars, je sais pas comment il s'est démerdé parce qu'il a attaqué mon cheven. Il s'est piqué mais vraiment derrière la queue quoi. Je sais pas comment il s'est démerdé ce poisson. Il y a un preuve ce poisson. Ah, ils ont tous cette couleur hein, sur le spot là. C'est bon, tu filmes? Ah ouais. Oh, il est magnifique. Waouh, en plus il est pas abîmé. Oh. Bon les gars, regardez la couleur de ce poisson. Un camouflage de malade. Il est pas gros hein, il fait ses 120-130. Il a des couleurs de folie, un camouflage militaire. Tac. Voilà, nickel. Ouais, c'est nerveux. Attends, avant de le relâcher, vas-y. Allez, on remet ça à l'eau. Allez. Nickel.
Oh là, ça filme Thomas. Il est pas mal derrière. Oh ouais. Qu'il allait taper. Oh, c'est pas gros. Il se frappe. Même que l'autre. Vraiment, c'est drôle là. C'est des soirées qui font du poisson. Si vous êtes sûr qu'il y a des endroits. Il y a des sorties d'eau et que les silures viennent chasser, faut pas hésiter les gars, faut y aller, mettre du vif. Chez nous en ce moment c'est compliqué. Donc même deux poissons d'un mètre vingt en soirée. Ça fait plaisir. Toujours plaisir. Oh, c'est joli quand même. C'est très joli. Allez, bon c'est le même que l'autre je pense. Oh non, un poil plus gros quand même. Hop là. Hop là. Voilà, nickel. Voilà. Le deuxième dérive. Je dirais une demi-heure après la première. Sur un chevesne de 30 cm, voilà, ils sont friands des chevesnes. Des petits bonbons pour les petites silures. Voilà, ça fait plaisir, hein. Ça fait du départ, ça fait du silure. Ça fait de l'action. Voilà, allez, il a bien mérité de retourner à l'eau après ce beau départ. Mon pied. Magnifique ce qui m'a. Ouais, super. Ouais, ouais. Bon, là, les gars, c'est une fin de session. Comme vous voyez, il est très tard. Voilà, on a gratté un peu la nuit, pas au bouchon ni au vif. On a gratté un peu avec des hameçons simples et des petites torches mortes à vue pour voir un peu le comportement des silures. Donc, normalement, ça m'a réussi à me faire 2-3 vidéos où on voit les silures prendre des petits glanes de 70-80. Prendre l'étanche sous le bateau. Voilà, donc résultat de la soirée, on claque là, au coucher du soleil, on claque 3 départs, donc 2 par moi, 1 par Sam. Sam il loupe le sien, on le voit pas en vidéo, donc moi j'en fais 2, je fais 2 petits poissons, 2 pins. Voilà, ça fait plaisir, une petite soirée de bateau, 3 vifs, 2 cannes, voilà, terminé, histoire de faire du poisson. Voilà, ce sera tout pour ce soir, là on a encore. T'as arrêté ? Non, non. Ah. On a encore 20 minutes de navigation pour rentrer à la mise à l'eau. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle session au bord de l'eau les gars. Allez, ciao, on rentre.